guide est devant avec les deux autres participantes. Direction Staffel. C'est pas très italien. Ça c'est clair. On voit bien l'itinéraire qu'on va prendre demain en fait. On va monter cette grande pente en direction des deux personnes au-dessus là. Et après nous la pyramide Vincent, on va tirer à droite. Il y a suffisamment de distance pour pas qu'on soit tous déjà sur la crevasse et ça termine avec. Par contre, quand on va être sur une arête, par exemple au Mont Blanc, où là il y a un risque de glissade, on fera des petites cordées justement parce que là il y a un risque de glissade. Et ce qu'il faut, c'est que la corde elle soit tendue. En fait, toi, si la corde est tendue, s'il y a la moindre glissade, ça se tend direct et on ne prend pas de vitesse et c'est facile d'arrêter une chute. S'il y a plein de mou dans la corde, en fait, ça va faire un gros choc. Au moins 5. Ok, ça va, la c'est forme. Cool. La forme. La forme. Et là, c'est la fameuse
6h26. 6h26, on a mis 1h40 pour monter. Yeah. Col du Lys. Col du Lys. C'est plus le sommet des poussières. On va aller. Voilà. De retour au refuge, Vincent nous annonce que l'ascension du Mont Blanc ne pourra se faire à cause d'orages prévus sur tout le massif à partir de vendredi après-midi. Nous savions que cela était un risque, mais le moral prend tout de même un petit coup. Vincent étudie les quelques autres options qui s'offrent à nous pour le reste du stage. Comme prévu, nous nous rendons au chalet alpin du Tour pour la nuit. À l'arrivée, Vincent nous propose l'arrêté cosmique. Sans trop savoir ce que cela comporte, nous acceptons. La journée de repos de demain se transforme donc en une courte course pour se rendre au refuge des cosmiques afin de parcourir l'arête vendredi matin avant les orages. Mais le programme va encore changer.